bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 21ème épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. De retour, toujours sur les terres Isila. Nous sommes au fort du Hurleur, me semble-t-il, juste ici, fort du Hurleur de Feu. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, nous avons exploré toute cette zone de manière intégrale. C'est-à-dire que, regardez, il ne reste plus rien à part évidemment les zones de chasse, hein, les zones des animaux, c'est tout, hein, pour savoir où c'est qu'on peut chasser les animaux. Sinon, il n'y a plus aucun lieu inconnu, plus aucun bûcher à faire ou quoi. Il en était évidemment de même pour cette zone ici, hein. Les grottes ont été toutes explorées, nous avons vu tous les lieux inconnus, les bûchers, etc. etc. Dans cet épisode, du coup, on va s'attaquer à cet endroit, cette zone qu'on n'a pas encore eu la chance d'explorer. Par la suite, on pourra monter pour explorer également cette zone reculée éventuellement. Du coup, je me suis retépé ici de sorte à ce qu'on puisse se promener pour passer par là. J'aurais pu me TP directement au plus proche à ce feu de camp, mais non, puisque regardez, petite astuce, plutôt que de zoomer pour trouver les mains d'Aisha, il y en a une juste ici. Bien regardez, je vais faire filtrer objet de collection. Et là, ça me permet de voir directement les objets de collection partout sur la map en dézoomé. C'est vrai que j'aurais pu faire ça dès le départ et ça change absolument la vie. Donc voyez-vous, sur le chemin, je vais pouvoir récupérer une main d'Aisha, un masque Isila. Et puis après, je vais pouvoir pénétrer ici, récupérer une main d'Aisha, un masque Isila ainsi qu'un esprit totem. Il y a peut-être d'autres collections, d'objets de collection à récupérer ici. Et puis si je fais quête secondaire, mission principale, voilà. Donc on a la chasse au rouge neige que je ne ferai pas, et on a donc un bûcher à faire, il y en a peut-être un autre, et des lieux inconnus évidemment à visiter. Bref, voilà, vous avez très bien compris. Donc on va y aller de ce pas. J'espère que vous allez bien, que vous kiffez toujours autant la série. Moi c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et vous le savez, en plus le pire c'est que chaque semaine j'y pense quand je travaille. Voilà, je suis dans mon camion, je roule et je me régale, je m'imagine le week-end pouvoir jouer à Far Cry Primal. Vraiment, hein. Je ne m'en lasse pas et c'est absolument terrible. Voilà, j'ai toujours hâte de rentrer chez moi pour jouer à Far Cry Primal. Malheureusement c'est toujours très court de pouvoir en profiter. Mais voilà, ce qui est bien c'est que le plaisir continue puisque c'est étalé sur toute la semaine en termes de vidéos. Pour ce let's play, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe ici, mes amis? Vous avez des soucis, on dirait, hein? Faites de la chasse, hein? Très bien. Donc voilà, épisode encore une fois chill comme le dernier. Chill mais exploration, découverte, etc. Farming surtout également, hein, puisqu'il faut récupérer un maximum de ressources pour se préparer au pire. Voilà, il faut qu'on se prépare au pire parce que le pire est à venir, je le rappelle. Alors est-ce que je peux passer par là ou c'est complètement débile ce que je suis en train de faire là? Oui, je pense que je peux passer par là. Je fais un petit détour un petit peu impromptu. Voilà, j'invente des mots. Je récupère du bois aussi tant qu'on y est. Oui. Alors toi, tu touches pas. Voilà, dégage. C'est ça, ouais. Ah, il a eu peur, là, il a eu mal. Ah, il a eu mal, hein, le boug. Hein. Ok, allez, on passe par ici. Ah, c'est terrible. Il y a de la colline partout. Ah, ruche de miel. Attends, je récupère parce que ça c'est juste impeccable. Essaim. Ah bah de toute façon j'ai plus de place. J'ai plus de place pour l'essaim. C'est bien dommage. Attendez, on a un petit trésor aussi. Juste ici là. Paf. Impeccable. Je récupère ma sagaie. Et je cherche peau de grand élan. Peau de loup. Peau de mammouth. Peau de blaireau. Ça ne s'arrête plus, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Voilà, je vous le dis. Je récupère la pierre du sud. Je rappelle qu'on a la compétence qui nous permet de récupérer un maximum de ressources lorsqu'on récupère les loots. Et d'ailleurs, en parlant de compétences, j'avais même pas fait gaffe, mais nous sommes à 7 points de compétence et nous avons ici augmenté les dégâts que vos armes infligent aux animaux. Hop, je claque directement tout ça. Mama Fadi. Et ça régale. Voilà, ça régale. Je vais pouvoir faire plus de mal aux animaux. Genre là, par exemple, là, tu vois, là, là. Voilà, voilà. Là, peau de bête x3. Mais ça c'est magnifique par contre. Là vous voyez, ça je n'aurais pas pu le faire. Ça messieurs dames, je n'aurais pas pu le faire sans ces compétences que je viens de m'octroyer, c'est incroyable. Oh là, dégage toi. Qu'est-ce qu'il veut là le grand élan? Bon, ça va 2 minutes. Mais moi, j'aimerais monter. Et j'ai l'impression de se foutre de ma gueule. Je suis en train de faire le tour du truc là. Je suis en train de faire le tour de la montagne. J'arrive pas à monter. C'est incroyable. Là je vais pouvoir monter par là. Bah tout ça pour ça. Bon, c'est pas grave. Événement, tuer et fouiller le porteur. Attends. Laisse-moi récupérer la main d'Aisha d'abord. Hop. Récupérer la main d'Aisha est très 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 importante.
J'adore ces quêtes de collection. C'est vraiment les trucs secondaires que je prête pas souvent attention dans les jeux, il faut le dire. Mais là, c'est vraiment différent. Ça donne vraiment envie, quoi. Dégage. Ça donne vraiment envie. Voilà. Alors, la main d'Aïcha, elle est ici. Ah oui, en effet, on est vraiment très très haut. C'est vrai que j'avais aucun espoir de pouvoir grimper autrement. Hein. On va pas se mentir. 55 sur 100. On continue. Direction ici, Mask Isila. Voilà. Donc, bah voilà, on repasse par ici. Forcément, j'ai dû faire un petit détour à la con. C'est pas grave. Oh là là, oh, ça glisse. Alice. Voilà. Ah, ah. Oh là 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 là. Foutez-moi la paix, hein. Saprousti saucisse. Ça, c'est pour moi. Bon, alors toi. Alors toi. Ils vont réussir à me tuer quand même, hein. Ils vont réussir à me tuer. C'est pas possible, hein. Ouais. J'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit, non, tout va bien. Allez, en avant Guingamp. On va refaire des flèches aussi. Voilà, on va en profiter qu'on a du bois. La sagaie à la main toujours. Et le masque Isila qui est juste ici, messieurs, dames. Impeccable. Voilà. Est-ce que je peux ramasser une sagaie? Oui. Et une autre, parfait. Hop, la violette. On a une petite tanière. On a un petit trésor également. Ah, bougez pas. Alors attends, on fait ça comme ça. Hop, voilà, on enflamme. On enflamme. 12 sur 25 de masque Isila, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Bon, puis là c'est absolument terrible. Ah c'est bon, le feu se dissipe, mais non, même pas. Allez, tant pis, j'y vais chercher pour la poudre de roc du sud. J'ai vraiment fait ça juste pour ça, hein. C'est vraiment un bonheur. Et on va pouvoir continuer. Alors, là c'est pareil, on a un événement, on va y venir. Objet de collection, donc là on n'a plus rien dans la zone. Après c'est un peu plus haut, donc ça on verra ça plus tard. Là on va vraiment maintenant pénétrer, hop, dans cette magnifique zone qui nous attend. Feu de camp, on a déjà débloqué ce feu de camp, voilà. Et on va se rendre du coup à ce premier lieu inconnu. On va faire pareil dans le sens de droite à gauche. On va faire une boucle, je pense. Bon, on va voir comment ça va se passer, j'avoue, je ne sais pas trop encore. On ne connaît pas cette zone non plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'éléphants, enfin de mammouths. Protéger les Wenja des prédateurs. Oh, bah, oh, oh, oh. Il y a un peu trop de prédateurs à mon goût, si vous voulez mon avis, hein. Pas le temps pour vos conneries. Comme un rock. On s'unit comme un rock. Ah, oh, c'était de la bonne musique, ça, quand même. Glissade. Bonjour. Allez, attendez, un petit plaisir. Hop. Voilà, ça c'est pour le petit plaisir, bien sûr. Toujours un bonheur d'avoir une trompe entre les jambes. Alors, il faut passer par ici. Oh. Aïe. Ah ouais. Ah ouais, alors si les éléphants sont l'un contre les autres, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Pourquoi ils se sont tous mis contre moi là? Ah. Allez, salut. Foutez-moi la paix. Oh, il va super vite. Adieu. Oh, l'esquive de la loutre. Oh, l'esquive de la loutre. Viens là, viens là. Et voilà, il est mort. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais non, 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 mais non. Paf ! Dans ta gueule. Allez. Voilà, meurs en enfer. Meurs en enfer. Est-ce que je peux réanimer ma bête là? Parce qu'en vrai, ça me ferait chier. Oh là là, c'est pas facile, hein. Les mammouths, ils sont terribles, hein. Les mammouths, ils sont terribles. Je vais d'ailleurs le renvoyer. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Il m'a fait trop peur, lui. Voilà. Ouais, bon, vas-y, flemme, il y a du feu partout là. Allez, on avance parce que sinon on va jamais s'en sortir, les amis. C'est incroyable cet épisode. Oh. Oh. Wesh. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non, mais attendez, c'est. Mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On y va. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On y va, j'adore. J'adore découvrir des lieux comme ça. Ok.
Ok, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là en plus une fois, non? Ou je suis complètement débile? Ok. D'accord. Ah ah, mais oui! Mais non. On était déjà là? Bah, on est où là? Mais on est où? C'est magnifique! Bah alors? Mais on est où là? Bah, ça me dit quelque chose et en même temps. En même temps, ça m'étonnerait. Ça me fait penser à là où on a rencontré la première fois Krati. Pas Krati. Batari. Mais en même temps c'est pas là. C'est pas là. Non, c'est pas là. Attendez, c'est trop bizarre. En plus, on voit rien. Hop. On va grimper par là. Attends bien. Qui c'est qui parle? Ah, mais y'a des. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, on va laisser tranquille. Là, y'a un truc. Mais wesh, on est où là? Mais on est où là? What? Non, mais attendez, là, là je comprends rien à où on est. Et là, il y a une quête. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais on était déjà là. Mais c'est là qu'on a rencontré Krati alors, non? Pas du tout. Je comprends pas où on est, mais vas-y, je me promène. Hein. Je me promène. Mais wesh. Mais on est où là? Mais je vais les laisser et là je ressors par là. Et là je ressors par là et je peux sortir ici. Ah mais oui, on était. Mais oui! Mais c'était bien là? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, donc c'était bien là qu'on avait rencontré Batari pour la première fois. D'accord! Ok! Ah mais j'avais pas souvenir. Bon bah bref, c'était un petit détour qui fait plaisir. Bon voilà. Ça c'est fait, je me fais encore poursuivre par des animaux en folie, c'est complètement dingue. Mais par contre vous avez vu que la technique est réelle dans la vraie vie et dans le jeu. Quand vous vous faites poursuivre par des animaux tels qui sont rapides comme ça, il faut pas courir en ligne droite. Hein. Regardez, t'as vu? Il faut faire des virages. Hein. Et c'est apparemment c'est réel, regardez, ils me suivent de près et là tu fais des. Bon là, voilà, là tu fais des virages. Et du coup c'est mieux. Faut faire des. Faut jamais courir en ligne droite, voilà. C'est. On m'avait déjà appris ça. Et quand tu l'appliques sur le jeu, c'est vrai que ça prend son sens. Alors la chasse au rouge-neige là, rien à péter là de ton loup là. On va déjà assez galérer comme ça pour les autres choses là. Hop. Donc on s'en fout, vous m'excuserez. Sauf si vraiment vous voulez qu'on se le fasse, on le fera. Mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Bon. Allez. Il faut que je récupère du bois dur de nouveau. Sur le chemin. Allez, nous voici dans cette donc nouvelle zone reculée. Alors attends, la meilleure attaque c'est la défense. La meilleure défense c'est l'attaque. Devrais-je dire. T'as pas vu ce que j'ai fait à ton copain? Ah. Ouais ouais c'est ça ouais. Le sanglier. Ah pu. Voilà, on va se faire une bonne brochette ce soir. C'est bon ça. En tout cas. Ah, un petit trésor. Ici. Voilà, peau de lino raineux. Là on peut placer des pièges. Ça c'est pour chasser l'animal, hein. Vous l'aurez compris évidemment. J'ai pas des bons souvenirs. Même si on a quand même récupéré une bête de ouf, hein. Mais bon, voilà. Ça suffira pour le moment. Après maintenant que vous le dites, c'est vrai que si tu prends les bêtes les... Si tu chasses les bêtes les plus puissantes, il y a moyen de faire de la dinguerie en vrai. Ouais, vous avez peut-être raison qu'il faudrait quand même que je chasse le... Faudrait peut-être quand même que j'essaye de le faire. Alors, lieu inconnu. Ah ben, ça se passe ici. Ça se passe ici. Hop, je récupère les ossements. Tanière de Walkwa. Voilà. Que c'est mignon. Que c'est mignon. Ah, un peu moins là du coup. Bonjour.
J'ai plus de place dans le sac. Donc je ramasse depuis tout à l'heure pour rien. Oh, ça va où là? C'est un cul-de-sac évidemment, c'est décoratif, on ne peut pas. On ne peut pas monter. Ah, attendez, attendez. Parce que moi j'adore glitcher les maps, les jeux. Oh, je peux monter, attendez. Oh. Oh. Et tous ces bruits d'ambiance, ça me donne envie de relancer Green Hell. Vous vous souvenez de ce jeu incroyable? Bon! Ça c'est fait. La main d'Aïcha, ça régale. Hop. Voilà, encore un petit passage secret ici. Oh, monsieur. Oula. Tombeau des dents. Oh, et il y a un masque easy là. Ici. Voilà. Pas mal. Ok. C'est très sympa ici. Paf. Pardon. Je voulais voir si ça one shot. Non, c'est incroyable. J'adore ce jeu. J'adore les sagaies aussi. Incroyable. Je peux être dépecé ou pas? Ah, dommage. Ça aurait été très cheaté, j'avoue. Bon, même si ça sert plus à rien, en vrai, il y a plus de hutte à améliorer, en vrai. Oh, bonjour. J'adore explorer des trucs comme ça. Par contre, ça, c'est un copier-coller d'un avant-poste qu'on avait fait. Ok, on est où là, du coup? Parce que je me balade, je me balade. Mine de rien. Voilà, donc là, on se rapproche déjà du bûcher. On a un lieu inconnu ici. Pas de main d'Aïcha en vue ici. Donc on va pouvoir directement, hop, bûcher du roc tenace. Et il est pas très difficile, il est difficile simplement. Ça c'est plutôt pas mal. Juste en termes de confection, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer? Genre sac à viande, faut de la peau de grand élan. Sinon le reste, tout amélioré au maximum. Ici, ceinture à gourdin, peau de léopard pour avoir plus de gourdin. Bon, les gourdins en vrai, c'est plutôt les sagaies moi, mais on est au max malheureusement pour les sagaies. Couteau de pierre, faut juste de la pierre du sud, rare, ok. Et ceinture à bombe, ok. Gourdin à deux mains, c'est pour augmenter les dégâts. Cèdre du nord, Sandoros. Peau de loup blanc pour les vêtements d'hiver, ça peut être pas mal. Quand on ira justement de nouveau dans le nord. Très bien. Et compétences, ça n'a pas bougé, on a deux points de compétences. Écoutez, terrain révélé, oh c'est pas mal ça. Donc du coup... Oh, chance accrue de trouver plus de bois rare, de pierre et de roseau. Allez, c'est bon. De toute façon maintenant on a les trucs de base très importants qu'on a déjà. Donc voilà, maintenant on va pouvoir claquer tout ce qui est ressources et secondaires. Ça va nous être d'une grande aide. Top. Top top top. Poudre de roc du sud. Paf. Tu m'attaqueras point. Tu m'attaqueras pas. Maintenant je t'envoie ça dans la tête. Je suis désolé par contre, c'est pas cool les pauvres loups. Mais après on est à la préhistoire, c'est différent. Ça donne de l'XP, pardonnez-moi. Je suis vraiment cruel. Le karma va s'occuper de moi, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bon. Parlons peu, parlons bien. On arrive au niveau de l'avant-poste. Est-ce que je peux... Évidemment, je peux grimper par ici. Ça me semblait logique. On va bien prendre la hauteur. Et on va se faire ça à l'ancienne. Chips à l'ancienne. Hop. Ah, mais c'est un bûcher en plus. Simplement. Est-ce que on se la ferait pas genre... Je vais quand même envoyer le hibou en repérage, mais on va se la faire comme vous me l'aviez demandé. En mode infiltration totale, sans utiliser mon dent de sabre. Ça peut être très stylé. Il y a pas d'alarme. Il y a juste un guet là. Donc hop. Comme ça, je suis tranquille. Et là, on va juste s'amuser. Là, on va juste s'amuser les copains. Alors. Ok. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle? Hop. Voilà. Ça, c'est fait. C'est du spectacle que je vous offre. C'est pour vous, évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est du spectacle. J'aimerais faire un truc, mais si je le foire, c'est dommage. Voilà. Hop, hop, et voilà. Abonnez-vous, je rends. Ah, c'est cool. J'adore ce jeu, bordel. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop. Et hop. Allez, merci, bonsoir. Oh là 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 là, mais quelle pépite. C'est le meilleur bûcher que j'ai pu faire. C'est le meilleur bûcher que j'ai pu faire. C'est le 14e en plus, il en reste plus que deux. Non, mais c'est fou.
On approche de la fin du jeu, je suis vraiment navré de vous le rappeler. Je suis vraiment navré de vous le rappeler. Et de me le rappeler à moi aussi. Mais c'est vrai que là, on est sur du bon là. On est sur du très très bon. On augmente la populace. Je peux t'adopter ou pas? T'es quoi comme animal toi? Ça c'est tous mes loups. Jaguar, jaguar noir. Toi t'es quoi comme animal toi? Bon, tu sais quoi, dans le doute ça fait de l'XP. Tiens. Ah. Alors je t'ai sauvé hein, si je puis me permettre. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. C'est comme ça que tu me remercies? C'est vraiment comme ça que tu me remercies? Prends l'appât, connard. Il s'en fout de mon appât? Ok. Ok, viens voir. Voilà. Non mais tu mérites qu'une seule chose, c'est ça. Hein. Allez, je prends ma sagaie. C'est possible? Je vais mourir. Allez, superbe. Je suis déçu, bordel, je suis déçu. Je suis déçu, mais c'est pas grave, je peux refaire un maximum d'appâts normalement sans aucun problème. J'ai toujours pas de bois dur d'ailleurs pour faire les sagaies, c'est incroyable. Alors c'est quoi ça? C'est encore un... Oh, il y a des bulles. Allez. Allez, on va partir par là. Oh waouh. Chemin pûchera. C'est bon ça? Oh waouh. Mais ce jeu est magnifique. Et nous avons un totem, esprit totem ici. Placé. 6 sur 12, la moitié. C'est impeccable. Et on repart. J'adore! J'adore le concept. C'était vraiment sympa. Oh, des poissons. Des mini poissons. Voilà une bonne chose de faite. Messieurs, dames, bonsoir. Le soleil est à son apogée, bien sûr. Donc on va pouvoir continuer notre expédition avec une main d'Aïcha qui nous attend par ici. Grand élan, on n'en a pas besoin. Lieu inconnu sur le chemin. Donc hop, on va vraiment longer dans un premier temps et explorer un maximum tout ce qu'on peut un petit peu explorer. Voilà, tout ce qui est explorable. C'est très joli, hein, vraiment. Beauté absolue. Ce jeu me régale. Hein. Attendez, on va juste faire un petit sauvetage. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Voilà. À la one again! Paf! Paf! Et paf! Et voilà. T'es sérieux? Oh, ils étaient plus nombreux que prévu. Ta gueule. Voilà. Ça c'est fait. J'adore. Ils étaient un peu plus nombreux que prévu. Genre ils étaient 5, non? 4 ou 5? Moi je croyais qu'ils étaient 2. Donc vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. Mais au moins on a pu faire ce qu'on voulait faire. Et ça c'est top. Voilà, on ramasse le bois, l'érable, etc. On augmente la populace, c'est un vrai bonheur. On fait de la cueillette. J'ai de nouveau envie de relancer Far Cry 3 carrément. Bon, on va peut-être pas exagérer des bonnes choses non plus, mais... Hop. Voilà, si vous pouvez juste fermer vos gueules. Parce que vous me donnez mal à la tête. Ah! Alors, par contre, ils font mal. Hein. Je suis un beau gosse, mais ils font quand même un petit peu mal. Hein. J'adore ce jeu. C'est surtout j'adore la saga. Je vous dis, hein, le commentaire qui parlait de la saga, mais ça change complètement le gameplay. Et moi, je pensais que la saga était moins bonne que les flèches avec l'arc et tout, parce que moins précis, parce que ceci, cela. Je m'étais bien trompé. Je m'étais bien trompé. Et vaut mieux se tromper et en profiter maintenant. Parce que là, c'est vraiment juste que du kiff. Défense de pierre. Vous avez pas d'idée hein, pour nommer ce lieu. Érable du sud, ok, je peux pas en ramasser davantage. Très sympa. Très sympa. Ah, un peu moins sympa la petite fosse. Oh là là. Ok. Ok. Y'a de la bagarre. Oh là. Oh là. Y'a de la bagarre. On se rapproche. Attendez, lieu inconnu. Et après, on prendra la main d'Aïcha. Allez, on va faire une petite descente en rappel, messieurs, dames. C'est le GIGN. Hop. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout simplement. Oh. Ah, c'est une chèvre. Ni plus ni moins. Camp de Creusevoix.
Là aussi c'est une zone de chasse avec des pièges et tout, c'est pas mal. Bon ça se casse pas. Très bien. Et la main d'Aïcha, elle est par là-bas me semble-t-il. Hop, ça je prends également. Tout à fait, la main d'Aïcha est là-bas, elle est même en haut. Ça tombe bien, il y a un grappin. Me diriez-vous. C'est complètement dingue, c'est complètement bien pensé, me direz-vous. Hop. Et là, ici. Merci, bonsoir. D'ailleurs, pour faire le stimulant ultime, il me manque quoi? Parce que depuis tout à l'heure, je suis dans la... Ah bah c'est bon, il faut de la racine, feuilles rouges, viande. Ok, c'est les racines qui me manquaient, je pense, à chaque fois. Ok, très important le stimulant ultime pour les boss là qui nous attendent. Oh waouh, les marécages. Oh là là, c'est joli. Hein. Ah, là-bas, il y a un avant-poste, a priori, ou un bûcher. Et là-bas aussi, on dirait qu'il y a de la fumée également. On a une grotte également. Ah, je me trompe peut-être, mais il y a de la fumée quand même. Oh, lieu inconnu. Il y a une main d'Aïcha également. Eh, c'est pas mal du tout. Ah mince, il y a une grotte là aussi. Bah on va commencer par là-bas du coup. Ouais, alors par contre, c'est quoi l'événement là? C'est les prédateurs, on s'en fout. Ils vont se faire bouffer par les animaux. Mais ça s'appelle la sélection naturelle. Voilà, donc la sélection naturelle... Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas à moi de gérer ça. Je suis pas non plus Dieu quoi. Ah, une petite grotte, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grotte. Puis ce qui est bien, c'est comme ça, voilà, on clean toutes les zones, on n'aura plus besoin de revenir, on aura juste les grottes du nord à faire. C'est vrai, hein, il restera plus que... Je sais plus combien de grottes il reste, mais finalement, il doit pas en rester beaucoup. Hein. En vrai, hein, moi je pensais qu'on en finirait jamais, qu'on n'arriverait jamais, mais en fait si. Hein. On va vraiment compléter le jeu à 100% bordel. Grotte de la range fendue. Yeah! Yeah, ça m'éternue tout ça. Yeah, pardon, excusez-moi, putain, c'est horrible ce que je vous propose. Je suis vraiment navré. Oh, il y a des gens. Oh, 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 il y a des gens. Ok. Alors, on va pas y aller par quel chemin. Ok. Là, y a un. J'ai encore envie d'éternuer, messieurs dames. Je suis absolument navré. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Ah bah du coup je peux pas récupérer les sagets. Ben j'aurais pas dû les fabriquer, je suis con. Je viens de faire du gâchis là, mais c'est pas grave. Voilà. Alors on a la main d'Aïcha qui doit être juste ici. Ah, attends, bouge pas. Ok, elle doit être juste au-dessus. Salut! Aïe! Oh là, ils sont nombreux! Oh là 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 là! C'est des indigènes! Wesh! Il y a une acné sur la map! Ah ouais, d'accord, ouais. Hop là! Plongeons! Je suis sous l'eau? Ah oui. Bah, si vous comprenez rien, les amis, vous inquiétez pas, moi non plus, je comprends pas. Ok. Ok. Ah! Hop! 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 Allez, allez, allez! Stimulant ultime! À la one again! Voilà! Et là, normalement, je suis pas trop mal. Hop, dans sa gueule! Voilà! Vous inquiétez pas, on va tous les faire! Hop! Dommage! Hop! Dommage! Aïe! Oh, ils font mal! Bon! Ah, attends, bouge pas! J'ai une surprise! Allez, en flamme! C'est pas possible! Hop! Voilà! Hop! Voilà! Hop! Dommage! Voilà! Et bien ils sont tous morts. Regardez tous les cadavres jonchés au sol. C'est incroyable. Et il y avait une acné sur la minimap, il n'y a plus rien. J'ai fait un enchaînement de bonheur. J'ai adoré ce moment, voilà. Pardon? Mais déclenche pas la musique, frère! Ça fait peur! Ah mais il en reste encore. Il en reste encore un. Bon, c'est pas... Alors, du coup, il faudra que je puisse monter. Alors attends, on va passer par là peut-être éventuellement. Oui, là je peux monter par ici. Ok. C'est très sombre. Hein. Par là. Et là je pense que je peux faire du parcours.
Très bien. Et la peinture rupestre. Et la main d'Aïcha. La main d'Aïcha. Bah écoutez, je continue par là. Parce que ça m'a l'air d'être une sorte de chemin qui me guide vers la lumière. Ça va où là encore? Je pense que c'est encore d'autres façons d'explorer à mon avis. Et la main, elle est là, c'est bon, c'est ça. Alors attention, est-ce que je tente un truc ou pas? Non, je vais pas tenter. Je vais y aller à coup de... à coup de grappin. Ah mais non, je peux même pas. Attends, je fais comment? Je fais comment pour aller là-bas? Parce que si je cours et je saute, à mon avis, je foire. Hein. Bon allez, on a qu'une life. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais il est trop... Oh, mais il est trop con. Mais il est trop con, il a fait un plongeon. Mais non. Mais vraiment là? Oh putain, mais c'est pas possible. Il faut qu'on y retourne. Il a fait un plongeon, ce con. il a fait un plongeon, mais dans la pierre. Mais pourquoi? Mais alors pourquoi faire un plongeon? Il aurait pas fait de plongeon. Ce serait passé crème. Et par contre, j'espère qu'ils ont pas respawn les ennemis là. Hein. Pas que ça à foutre, moi. Pas que ça à foutre. Ah là 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 là, quelle histoire. Puis alors là, je suis en train de me faire chasser par un ours. Il va rentrer avec moi dans la grotte, ça va être terrible. Bon. Heureusement que la map est petite. Ah si ils ont respawn par contre je vais péter un plomb hein. Juste pour une main d'Aïcha là Mais en vrai je pense pas. En vrai je pense pas. MDR. MDR. Et bah je vais passer par là pour changer. Voilà. Parce qu'à mon avis ça me permettra. Alors attends, bouge pas. Salut mec. Voilà. Tu te tais hein, surtout. Tu te tais. Alors. La main d'Aïcha elle est pile en face. Oula. Voilà. Tout le monde ferme sa gueule ici hein. Oh merde, il est tombé. Putain, elle est juste en face de moi la main d'Aïcha. Ah là je peux prendre mon élan avec le grappin. Ouais mais je peux même pas l'atteindre. Non mais c'est terrible. Faut que je fasse comment là? Et ouais si si mais si, il faut que j'escalade là. Ah. Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve de pas comprendre. Bon. On va grimper par là. Et on va se retrouver au point de départ. Enfin pas au point de départ mais au point où j'étais mort. Voilà. C'est ici que j'ai sauté, que j'ai fait le plongeon hein, pour rappel les amis. Eh ben ouais mais je vais refaire la même en fait. Je suis en train de capter que je vais refaire la même. Ok, on va trouver une autre parade. On va trouver une autre parade. C'est encore plus excitant parce que comme ils ont respawn. Comme ils ont respawn, là tu vois, on se la fait en mode infiltration. C'est très excitant. Bon là faudrait que j'arrive à aller là. C'est un truc de ouf, comment tu fais? Ah ça y est, j'ai capté. Faut que j'aille là, en face. Hop. Oh non. Tais-toi. Tais-toi. Personne m'a vu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et faut que j'aille là en face. C'est bon. À la one again. Voilà. Aïe. La main d'Aïcha, c'est bon. Ouh, on y arrive. On n'avait plus qu'à se barrer. Hop, voilà, toi tu te tais. Hop, dommage. Merde, j'ai plus de sagaie. C'est par où la sortie? Oh bah attends. Hop. On va faire ça comme ça, vous inquiétez pas. Oh, je suis en train de me faire mitraille. Aïe. Voilà, je vais ressortir par là où je suis rentré. Mais non, mais pourquoi tu fais les animations nulles? Oh non. Ah. Ah, je suis bloqué. C'est bon. Allez, salut les losers. Aïe. Salut les losers. Je me casse. Et voilà. La grotte, messieurs dames, a été explorée. Est-ce que je le one shot lui ou pas en vrai? Ah oui. Hop. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur.
J'adore ce qui se passe. Bam. Par contre le soleil se couche, c'est un petit peu chiant. Et donc là on va aller à Maskizila, à ce lieu inconnu. Mais comme il fait nuit, ça va être un petit peu terrible hein. Faites pas le malin, faites pas les malins les loups, parce que moi je vous one shot maintenant. Attends, je vais quand même appeler un dent de sabre. Ça voilà, ça les calmera un petit peu. Allez, une petite exploration nocturne maintenant que plus rien ne me fait peur. Hop. On va quand même enflammer. Bah, je pense qu'il va y avoir du feu là-bas. Il y a toujours du feu un petit peu partout. Donc on va enflammer notre bâton. Et bah il y a même pas de feu en fait. Il y a même pas de feu. Donc je vais allumer la lumière, vous inquiétez pas. Hop, voilà, hein, c'est un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Bah le masque easy là bien sûr. Oh non, mon feu. Mais c'est une dinguerie. Voilà, ça c'est fait. Je renflamme ma sagaie. Et je continue de me promener par là. Alors, eh bien nous avons un feu de corps, ça c'est bon. C'est là qu'on avait respawn de toute façon. La main d'Aïcha juste en face, 120 pas. Ah putain, vraiment on speedrun le jeu, ça me terrifie quoi. En même temps tu peux pas faire autrement hein. C'est, je pense que c'est une bonne façon ce que je fais là. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait en pleine nature comme ça celle-là là? Ah, il savait pas où la placer elle hein. Ah oui. Est-ce que cet arbre est spécial? Non, même pas. Oh, il y a de la brume. Très stylé. Là-bas il y a du feu. Là-bas il y a du feu également. Eh bien on va y aller. Allez. Comme il fait nuit et on convoit qu'il y a du feu, on va y aller. On va se faire bouffer par un crocro. Je sais pas où on va, j'ai l'impression qu'on va dans le No Man's Land. Très effrayant. Île du Damchi de Pierre. Incroyable. Incroyable. Il y a du feu là-bas. Et là y a rien. Ah si, y a du feu là. Ok, très bien, donc c'est là l'île de Damchi de Pierre. Il y a un petit trésor ici. Peau de yak. Paf. Tu te tais. Bon, là-bas il y a du feu également, mais je pense que tout ça c'est des lieux inconnus. On dirait un peu des zones abandonnées, je trouve. Je sais pas comment dire, ils ont fait des zones, mais il y a rien quoi. Bon, s'il y a quand même, voilà, une grotte. Mais oh, c'est stylé ça. Mais il y a rien, genre il y a pas d'objectif principal, on dirait. Et ça c'est un peu bizarre. Allez, bah direction là-bas, hein, tout simplement. Oh, attends, on va quand même éviter de faire des bêtises. Oh là 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 là, là je me casse la gueule. Ok. C'est un peu marécageux. Vraiment, je vais relancer Green Hell. Hein. Ça me donne juste envie. Hein. C'est pas pareil, mais. Oula! Dégage. Pierre Guada. Ok. Pierre Guada. Impeccable. Ça. Je prends peau de tapir. Très bien. C'est moi où il y a des particules bleues bizarres des fois. J'ai des hallucinations, on dirait. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ouvre beaucoup la carte. Hein. La grotte, elle est bien là-bas. On y va de ce pas. Il fait nuit, donc ça tombe bien. On profite de la nuit pour aller dans les grottes. Hein. Comme ça, on en ressortira quand le jour se lèvera, éventuellement. Oh, la brume et tout, mais c'est trop stylé. Grotte au gouache trou. Oula. Oula. C'est pas très accueillant, quand même. Pas très accueillant. Alors. Bonjour. Voilà. Oh là là, comment ça va par ici? On enflamme. Là, il n'y a rien. Ok. Attendez, je viens d'où? Il n'y avait qu'un seul chemin. Oui, ok. Donc là, j'ai un chemin à gauche. Voilà. Ce chemin à gauche. Eh bien, en fait, revient au même que si j'avais pris le chemin là. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. J'aime bien vérifier. Là, il y a de l'eau. J'ai pas envie d'éteindre ma sagaie là, je vais être honnête avec vous. Donc je vais refaire le tour par là. Et
passer par au-dessus. Ok, là, il y a du parcours à faire. Hop! Superbe. On va enflammer ça. Comme ça, ça fait un petit checkpoint de flamme, hein, si je puis dire, si ma saga venait à s'éteindre malencontreusement. Ok. Là, je peux continuer mon parcours. Ah, là, il y a un petit coffre. Peau de singe. Peau de dents de sabre. Très bien. Je vais pouvoir enflammer ma saga grâce au feu que je viens préalablement d'allumer. Ok. Hop! Qu'avons-nous là? C'est de la convient, c'est superbe. Qu'est-ce qu'il est con ce mec. C'est pas grave. Donc c'est de là que je viens. Et c'est là que je veux aller. Simplement, hop. Hop. Voilà. Là, je peux revenir ici. Là, je vais là. Là, j'enflamme. Oh, waouh. Voilà. Hop, je récupère tout ce que je peux récupérer. Hop. On casse. Patricia. On l'embrasse. Patricia casse. Ici. La peinture rupestre, ça se passe par là. Non mais attendez, c'est un labyrinthe, j'adore. Très excitant. Très excitant. Hop. J'adore ce qui se passe. Non mais attendez, ça part dans tous les sens. C'est un vrai bonheur. Oh, c'est un vrai bonheur. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et comme je speedrun, c'est à n'y rien comprendre. Là. On a un petit passage. Donc là, faut que j'aille par là. Ah, voilà. Ça, je casse parce que voilà, j'aime bien. On a encore un... Mais wesh. Où c'est que tu m'emmènes là? Oh, une sortie de grotte. Ok, c'est une sortie de grotte, on s'en fout. Ah. Ah oui, d'accord. Je peux même pas re-rentrer. Bon, bah faut attendre que ça brûle. Hein. Voilà, c'est bon, je peux y aller. Merci, bonsoir. Tac, tac, tac. Il faut que je puisse monter ici. Il faut que je puisse monter ici. Il y a tout qui prend feu, c'est incroyable. Eh bien, je vais revenir par là. Je cours. Je cours. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, c'est génial. Bah. Non, là c'est de là que je viens, merde. C'est de là que je viens, ça ne sert à rien. Ah, là. Allumer feu de camp, hop. Voilà. Très stylé. Enflammer sa guet. Attendez, mais je suis déjà passé par là, ça m'énerve. Ouais. Ah bah c'est là que je dois aller simplement. Ah ça y est. Pas du tout. Non mais c'est incroyable ce qui se passe. Ce jeu me fait tourner en bourrique. Ce jeu me fait tourner en bourrique. Ok, je vais aller dans l'eau. Et je vais aller là. Exactement. Et là regardez, il y a une corde à... Il y a une laine à grimper. Est-ce que je peux au moins... Ah ouais. Ah c'est bien, ça a été bien pensé genre. Ah voilà, ça y est, c'est un peu bugué hein, mais il faut y aller, il faut pas avoir peur hein. Et là on a la peinture rupestre. Et là on revient ici. Et là c'est la sortie de grotte qu'on a vue tout à l'heure avec le jour qui se lève d'ailleurs. Très bien. Maintenant je veux la main d'Aïcha encore. Aïcha. Et la main d'Aïcha, bah je la vois pas. On va aller dans l'eau. La main d'Aïcha elle est là-bas. Et elle est en haut. Elle est en haut. Alors ok, bon faut que j'ai compris. Ah, faut que je remonte, malheur. Merci, bonsoir. Hop. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Oh. Oh. Plume. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Je comprends rien à ce que je fais. Mais j'adore. Ok, en tout cas c'est par là qu'il faut aller. Oh là là, regardez-moi ce parcoureur de l'extrême. Bon, la main d'Aïcha. Elle est là mais elle est en haut.
Hein. Donc faut continuer de rester sur les hauteurs. Ça mène à nulle part. Oh, ça va vite me saouler. Attendez, bougez pas, la main d'Aïcha là. La main d'Aïcha, elle serait là-haut. Mais est-ce que... est-ce que simplement elle ne serait pas à la sortie justement de la grotte? Là. Et oui, pourquoi chercher midi 14h alors qu'elle peut être très bien là? Je la sens venir. Gros comme une montagne. Hop, hop, hop. Et bien sûr, ça prend tout son sens. J'aurais pu chercher très longtemps. Alors qu'en fait, si vous regardez bien, eh bien, je sens qu'elle est là-haut. Je sens qu'elle est là-haut. De toute façon, c'est le game design fait en sorte qu'elle est là. Parce que cet endroit est débile sinon. Ouais, elle est là, putain, bien vu. Tout ça pour qu'on tourne en rond dans la grotte pour rien. Incroyable. Et voilà. Et on sort. Alors. Alors. Ça, c'est superbe ce qui se passe. Comment dire? Je suis bloqué. Oh, c'est une dinguerie, je suis dans les roches. C'est une dinguerie. Allez, superbe. Allez, ça régale. Allez. C'est superbe. Oh, c'est complètement dingue ce qui se passe. Oh, fait chier. Oh. Non mais là, les gars. Oh. Allez, bah après c'est Far Cry Primal. Hein. Ah bah c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? Là, on a des nouveaux trucs de ouf ou pas en vrai? Peau de dents de sabre, ouais, ouais, c'est tout, ok. Eh bien, c'était très intéressant. Par contre, du coup, ah, ça va, on a respawn à côté. Donc, la grotte, c'est fait. Et là, on a un lieu inconnu plus une main d'Aïcha. On y va. On y va. On continue notre expédition de cette zone reculée absolument magnifique. Il y a des ennemis ici et là, on s'en fout. Pas vu, pas pris. Hop, je te montre, ça fait longtemps. Regardez-moi cette brume. Cette brume est magnifique. Vraiment, hein. Ok. Bon. Mon dent de sabre, il ose pas aller dans l'eau, là. Ça m'a énervé. Alors. Attends, il y a un sac, là. Hop. Peau de lion noir. Oh. Ça, ça rigole pas, ça. Ils vont me laisser, oui. Genre ils me voient. Genre ils me voient. Ah merde, je suis passé à côté du lieu inconnu. Hop, la main d'Aïcha, c'est fait. Et on va retourner sur le lieu inconnu du coup. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que vous voulez les gars? Foutez-moi la paix, ouais. À la one again. Paf. Voilà. Faites-moi les malins. Bon, c'est quoi ce lieu là? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Ah, c'est peut-être ici. Peut-être une zone de chasse également. Pierre de prière. Absolument. Hein? Peau de loup. J'en ai trop sur moi. Ouais, bon, c'est un lieu inconnu de... Ok, très bien. Ensuite, hein. Eh bien, messieurs, dames, donc grotte, ça s'est fait, ça s'est fait. Eh bien, il ne nous reste plus que l'avant-poste très difficile et une main d'Aïcha derrière. Très bien. Et après, ce sera déjà fini. Ah, et on a un lieu inconnu là-haut. Mais après, quand tu regardes, là, tu fais repères principaux. Voilà, donc l'avant-poste et objet de collection. Eh bien, t'as juste la main d'Aïcha. Voilà. C'est tout. Et puis la chasse au rouge-neige. Ah là 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 là. J'ai la larme à l'œil. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai peur que le soleil se couche. On voit même pas le soleil. Ah, confection. On peut confectionner vêtements d'hiver. Allez. Bon, bah là, les gars, on est paré pour le nord. Et sac à viande. On est paré également pour la nourriture. Que du bonheur. CQDB. C'est que du bonheur. C'est un vrai régal, évidemment, les amis. Tiens. Allez, on avance, on s'élance. Oh là 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 là. C'est en train de faire des dingueries. Je peux te monter ou pas? Non? Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, direction l'avant-poste. Pareil, là on va se régaler. Bon, là on va quand même peut-être éventuellement utiliser un petit peu notre don de sabre quand même. Parce que c'est un avant-poste. Hein, qui plus est très difficile.
On entend le tambour. Mais c'est quoi ces bugs? Mais attends, mais il s'est jeté. Vous avez vu que le jeu commence à être buggé là, hein? 21ème épisode, le jeu commence à être buggé. Ah, j'ai pas la hauteur, j'aime pas. Ah ouais, ils sont bien barricadés là. Oh bah merde. Voilà. Ah ouais, ça craint. Faut que je prenne la hauteur de toute façon. Voilà, ça sera déjà un petit peu mieux là. Je me cache dans les feuillages. Avec ma flamme, c'est vrai que je suis très discret. Alors, bon, les deux guets, les deux lanceurs d'alerte ont été spotés. On a un mastodonte, ça faisait longtemps. 1/3 lanceur d'alerte. 4, on a 4 lanceurs d'alerte. Un mastodonte, 2 alarmes. Ah putain, le jaguar, faudrait pouvoir le libérer. En fait, les jaguars, faudrait pouvoir les libérer. Et là, j'ai pas accès aux cages. Ce serait très stylé, ça. Il faudrait que je libère les... Éteindre le feu, voilà. En fait, faudrait que je libère les jaguars. Attends. Rentre chez toi, toi. Rentre chez toi. On va essayer de faire un truc stylé. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Bon, par contre, on va quand même... On va quand même s'enlever un problème principal. Voilà. Personne ne m'en voudra. Bon, le cadavre va tomber. Voilà. Ah ouais, mais je peux même pas le libérer. Je peux même pas le libérer. Bon. Oh là, j'ai eu chaud. Oh là, j'ai eu chaud. Tais-toi, 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 tais-toi. Voilà. On se la joue discret, les gars. On se la joue... On va essayer de faire un truc stylé où on se la joue discret. On essaie de faire ça un peu fut-fut. Tac. Pareil, là, on va pas s'emmerder avec les lanceurs d'alerte. De toute façon, lui, personne ne le verra. Merde, j'ai foiré mon... J'ai foiré mon attaque. Personne ne verra s'il meurt, lui. Oh, le cadavre qui vole. Voilà. Alors comment je vais faire pour le libérer, lui? C'est bon. Il est libéré. J'ai libéré la bête. J'ai libéré la bête. Ah. C'est parti. Il va pouvoir faire son bazar. J'adore ce qui se passe. Hop. On va faire le tour par ici. Voilà. Voilà. Ah les gars, et maximum de likes hein, pour ce qui se passe. Là le jaguar vient de se barrer, je crois. Maximum de likes pour ce qui se passe. Je crois qu'il n'y a plus de lanceur d'alerte. Il y a encore un jaguar. Il y a plusieurs jaguars à libérer encore. Il y a encore du jaguar à libérer. Hein. Oh là. Ouh. Attendez, bougez pas. Ah ouais, mais si je grimpe là, je suis mort. On va repasser par là. Ok. Vraiment, on est là pour faire du beau jeu, du spectacle. Putain, je peux pas le libérer de là. Chier. J'aimerais bien ne pas utiliser mon dent de sabre. Ça peut être très stylé. Mais utiliser ce qu'on me propose en fait. Voilà. Jamais
Oh yes, j'avais pas vu que je pouvais aller là. C'est bon, il est libéré lui. Il est libéré. Magnifique. 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 Il fout son bazar. Lui aussi, ah non lui il est pas libéré. Ah si il est libéré lui. C'est bon, il est libéré lui. Ok. Alors attends, parce qu'il y a une alarme là. Voilà. Merde, je suis en train de prendre feu. Et il y a une autre alarme. Il y a combien d'alarmes en vrai? Il en reste plus qu'une en vrai. Hein. Je vais me la faire l'alarme, comme ça je suis tranquille. Voilà. Alors il peut plus m'arriver grand chose. Là, il peut plus m'arriver grand chose. J'adore ce qui se passe, bordel. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. C'est pas vrai. Ok. Bouge pas. Voilà. Voilà. Eh ben, messieurs, dames, il reste plus qu'un mastodonte. Ah, et peut-être lui là-bas. Oh là là, j'adore. Il reste plus qu'un mastodonte, les gars. Tiens. Essaim d'abeille. Toi, tu dégages. Eh, est-ce que c'est pas également le meilleur avant-poste que je suis en train de faire là? Voilà, tu te fermes ta gueule. Oh, il m'a même pas vu encore. Allez, je te finis toi. Alors attends, bouge pas, on va faire un truc. Voilà. 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 Et voilà, ça c'est fait messieurs dames. Sans avoir utilisé j'ai juste utilisé le hibou pour tuer deux gars je crois. Et j'ai pas utilisé mon dent de sabre. J'ai utilisé ce qu'on m'a proposé sur le game design. Ah, je suis très 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 content de ce que je vous ai proposé là. Je suis très satisfait de moi-même. Je vais pas te mentir, je suis très 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 content. Ah, j'espère que vous avez kiffé franchement les gars. Ah, c'était vraiment masterclass. Ah, c'était vraiment top. Alors attends. Ouais, faut que je me refasse des sagas aussi parce que là c'est terrible, il me faut du bois dur. Hein. Bon bah c'est plutôt pas mal, on refait ça, on refait ça. Ouais, faut que je me refasse un peu quand même. Hein. Faut que je me refasse un peu quand même. Ça c'est fait. Un petit sac. Où ça? Où ça? Où ça? Ah, il y avait... Ah, ah là 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 là. Il y avait encore une alarme apparemment. Donc j'ai eu énormément de chance. Voilà, tu meurs. Juste là où je suis, il y avait une alarme. Voilà, je l'avais pas vu, donc ça aurait pu tout compromettre. Alors, maintenant que ça c'est fait, bah, il ne reste plus que... Non, il y a la main d'Aïcha encore ici. Hein. Attention. Hein. Attention, la main d'Aïcha. Et une fois la main d'Aïcha faite, on fera le lieu inconnu et on aura fini toute cette zone en une heure. Voilà. Enfin, moins d'une heure même, hein, parce qu'on avait commencé bien plus loin. C'est vraiment... Ah, c'est top. C'est les meilleurs épisodes. C'est les meilleurs épisodes, on en profite parce qu'après ça va vraiment partir en leuleux. Ça va vraiment partir en cahouette. Hop. Voilà, je te one shot également avec la double flèche. Fallait pas me charger comme ça mon copain. Hein. La main d'Aïcha elle est là. C'est vraiment disposé un peu n'importe comment ici on dirait. Et voilà, ça c'est fait. Et donc le lieu inconnu juste là. On y va de ce pas. 62 sur 100 bien sûr. Je vais appeler mon dent de sabre. Je vais lui monter dessus. Et en avant Guingamp au grand galop. Hello world, this is me. Life could be.
Et je sais plus c'est quoi la suite. Vous avez la ref là pour ceux qui regardaient comment ça s'appelait la série avec les filles et les chevaux là. Et les chevaux pardon. Oh putain. C'est génial ça. Oui je regardais. Un petit peu. Hop. Oh le saut, réfléchis pas, vas-y. Ouais. Réfléchis pas. Ça passe, nickel. Ça je prends. Hop. À la Renegun. Voilà, je vous bouffe. Voilà, je vous arrache. Hop. C'est bugué hein. Allez, je me casse. Je me casse. C'est full bugué. Mon dent de sabre, il faisait l'amour au gars carrément. Hop. Et voilà, nous y est. Salut les gars. Ah mais non mais vous êtes des potes. Je voulais les attaquer et j'ai pas réussi. Bah c'est normal. Oh. Hop. A pu. Terminé, bonsoir. Poisson croc, tu dégages. Voilà. Ensuite, un petit trésor. Voilà. Viande. Il y a de la viande au fond de l'eau. Cherchez pas. Et racines de plantes rares. Et ça c'est parfait pour, messieurs dames, le stimulant ultime. Et j'ai claqué mes racines rares pour faire, j'imagine, une confection. Pourquoi il y a une étoile Ah c'est le soin rapide. Oh putain, hey, on est à la fin du jeu, je commence à comprendre comment ça marche. Oh mon dieu, je suis tellement bête. Et ouais. Très bien. Ok. Et bah voilà, bah messieurs dames, je vous le dis, on a terminé cette zone. Bon, sauf la chasse au rouge neige. Vous me dites si un jour vous voulez qu'on le fasse, si ça vous intéresse ou pas, mais bon, en vrai. Donc mission principale, 4 secondaires, y'a rien. Objet de collection, y'a plus rien. Les repères donc qu'on a eu. Les lieux qu'on a également visités. Et donc bien sûr la zone de chasse. Y a peut-être des animaux qu'on peut apprivoiser d'ailleurs par ici. Pourquoi pas. Voilà, bah cette zone a été faite, les amis. On va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode absolument incroyable. Dans le prochain, dans tous les cas, on va monter par ici pour éventuellement explorer cette zone-ci qui me fait plutôt de l'œil au niveau des couleurs. Mais ça se trouve, on risque juste d'être déçu, mais c'est pas grave. Mais on dirait vraiment un peu tropical. Donc on verra. Et puis en fonction, vous me direz, il y a également de la chasse au grand ours balafré. Voilà, donc si vous voulez qu'on se les fasse, on les fera. Vous me direz ça en temps et en heure. On a largement le temps encore, évidemment. Avant la fin de l'aventure, ne vous inquiétez pas. 5 points d'XP. Que pouvons-nous faire avec ça? Ouais, mais les confections doubles, on s'en fout. Confection double. Les effets durs machin, ça aussi c'est confection double derrière. Chance accrue de trouver plus de parties de plantes rares, ça je prends. Révèle 100 pieds de terrain dans le menu carte, ça je prends. Et voilà. Alors les compétences de confection, vous constaterez que on a encore rien pris hein, là-dedans, hein, c'est incroyable. Je suis full en combat, je suis full en cueillette, je suis full en survie, je suis full en maître des bêtes, je suis presque full en chasse. Il nous manque juste les compétences de confection et les compétences d'Isila. Et puis lorsqu'on va s'occuper de Hull, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle-t-il comme ça? Non, c'est le grand Darwa tout simplement. Bref, voilà. Allez les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. J'ai absolument adoré cet épisode. Et on se retrouve évidemment très vite pour la suite de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Plein de bisous. C'était Mkolo. À la prochaine. Ciao tout le monde.